Les peuples dédiés ont répondu présents au culte d'installation du nouveau comité provincial de Kinshasa, le CFMC, le samedi 19 mars 2022 à la cathédrale du centenaire protestant. Tout a commencé par la présentation des évêques dirigeants de l'ECC, des CFMC ainsi que les invités. Suivi des mots de circonstance du secrétaire général et représentant légal de CFMC qui a donné l'objectif du culte d'installation du nouveau comité des CFMC tout en lui rappelant leur mission. Cette installation est pour nous une occasion d'action de grâce à Dieu, de reconnaissance aux hommes, mais aussi et surtout une question missionnaire, car c'est le jour où Dieu, par le biais de son Église visible, révèle la mission qu'il a assignée à tous les chrétiens en général et en particulier à ces nouveaux comités, celle de faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. S'agissant de la mission du travail, chers membres du comité provincial, mettez plus l'accent sur l'unité le déclencheur d'un travail qui rayonne et amène à la prospérité, comme l'a insisté Jésus-Christ en disant, je cite, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 18, 19, fin de citation. Prenant la parole, les prédicateurs du jour, le révérend Ibouma, a prêché sur le thème « Oui, je suis plus que vainqueur avant même les combats sur terrain » en se référant à 1 Samuel 16 à 12. Mais ceux qui ont la parole positive, créée et fondée sur la parole de Dieu, au colombien. Je réalise que les amis, les actions sur le terrain, les salariés aux amis pour ça, là, dans le terrain. De côté, à mon côté, de quoi ça va être, vous avez mon ami. Donc, bandit, je réalise aussi les pensées. Les pensées. Ça n'est suivi de la lecture de biographie des membres du comité provincial de CFMC qui sera dirigé par le révérend Sylvain Mopépé, suivi des révérends Michel Massolo Masweka et William Koulepessa comme financier provincial. Après cette étape, les membres du bureau sortant ont présenté tour à tour au peuple dédié leur successeur. Les représentants légaux du CFMC a donné quelques orientations et conseils au nouveau bureau du comité provincial à bien travailler pour l'intérêt de l'Église avant de l'installer officiellement devant les peuples dédiés. Ils ont été bénis par la prière des évêques dirigeants de l'ECC et les représentants légaux de CFMC pour recommander au Seigneur leur mandat. Content du déroulement de ces cultes, les représentants légaux de CFMC est revenu sur l'objectif principal de la dite journée. Je suis venu juste pour installer l'équipe provinciale de la CFM de Kinshasa. C'est pour responsabiliser cette équipe
afin de pouvoir chercher la transformation dont il est question dans notre communauté. Parce que ces années ici, nous parlons sur l'unité, les rayonnements et la prospérité. Nous voulons des responsables quand même réflectifs, des leaders qui sont serviteurs pour l'église de la CFMC. Les membres du nouveau comité provincial de CFMC ont béni le Seigneur pour leur mandat. Je bénis le Seigneur parce que l'église nous accompagne réellement. Nous avons vu la mobilisation de pasteurs qui ont mobilisé les membres de leurs différentes paroisses qui ont répondu positivement et qui nous ont accompagnés, je peux dire, financièrement aussi à cette organisation. Comme ils ont commencé, j'espère bien qu'ils vont continuer aussi jusqu'à la fin de notre mandat. Le message que je peux dire aux chrétiens de la CFMC en général, que dans l'amour, nous pouvons faire de grandes choses, que nous continuons à nous aimer, à nous supporter les uns les autres, et dans cet amour, nous allons initier beaucoup de choses pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Bon, l'impression est très bonne. Il y a eu un bon engouement, un engagement soutenu de tous les membres et venus de tous les coins de la ville de Kinshasa pour cet événement. Le message que nous avons, c'est que dans l'unité, nous pouvons faire beaucoup de choses. Dans la vision que nous avons, les changements en mieux, nous voudrions l'implication de tout un chacun, car le Seigneur voudrait voir les choses changer en mieux. Je suis très content d'avoir d'abord l'Église qui nous a accompagnés à travers ses membres et puis la grâce du Seigneur qui était sur nous. Dès le départ, il était avec nous. Nous l'avons vraiment compris maintenant là. Et notre impression est que Dieu est au contrôle de tout. C'est lui qui a tout orchestré et c'est lui qui a tout fait et c'est lui-même qui est le metteur en scène. Voilà pourquoi nous lui rendons d'abord grâce. Et puis, nous avons compris la charge et une lourde responsabilité que nous avons à assumer. Et par l'aide du Saint-Esprit, je sais que nous allons arriver au bon port. De son côté, le président du comité préparatoire de cette activité, le prince Kwarata, a remercié le Seigneur pour la réussite. Les impressions sont très bonnes. Et nous avons voulu que la CFMC puisse être vue à travers la ville de Kinshasa, pourquoi pas le monde. Parce qu'il y a une confusion qui règne CFMC et CFMC. Et nous avons voulu qu'on puisse prouver aux yeux de tout le monde que nous sommes la quatrième communauté des églises des frères Mennonites au Congo. Et voilà, et nos impressions sont bonnes et nous voulons que ça puisse continuer ici. Le message a déjà été donné à l'église par les plus hauts gradés, mais nous voulons que quand ils entrent ici, comme a chanté l'hymne de chorale, qu'il y ait un Moupé Pasika, que tout change. Nous voulons un changement à mieux, comme eux-mêmes ils l'ont dit. Et c'est ça que nous voulons. On veut voir de très bonnes choses, des initiatives qui vont aider le peuple de Dieu à pouvoir avancer. Ici est de noter que l'équipe d'installation du nouveau comité de CFMC s'est clôturée par une série de remises de cadeaux à la nouvelle équipe dirigeante de cette communauté de Kinshasa.